So we now turn to our final paper, which will involve theoretical reflections on ritual in general, trying to bring China into a much larger theoretical context. And to do so, I'm very honored to introduce Celine Bonico Donato, who will join us to discuss these larger theoretical issues. So please join me in giving Celine our very warmest welcome. Please. Yes. Thank you. I will follow the ritual, and I would like to thank warmly Professor Ancheng and Professor Feyaz for their invitation. And I would like to thank the organization of this wonderful conference. Two, I would like to apologize for my very bad English, you can hear. That's why I think it is better for your ears that I speak in French. Sorry. Donc le titre de mon intervention, c'est « Les rites d'interaction, l'héritage de la conception chinoise de la face dans la sociologie d'Erving Goffman ». Donc j'ai le redoutable privilège de prononcer la dernière intervention de ce colloque en proposant une perspective exotique dans d'autres contextes, à savoir le point de vue défendu par Erving Goffman, qui est un sociologue américain du XXe siècle, qui va défendre l'idée en apparence étrange que la société américaine des années 60, et sans doute pourrait-on dire les sociétés occidentales, sont des sociétés ritualisées. Donc il n'y aurait pas seulement la société chinoise, la société indienne, les sociétés antiques, les sociétés asiatiques, chinoises, japonaises et coréennes, comme nous avons pu le voir, mais aussi les sociétés occidentales, ce que je vais essayer de défendre. Donc Goffman est un sociologue des miettes de la vie quotidienne, et il n'a eu dans son œuvre qu'un seul objet d'exploration, à savoir les relations intersubjectives. Il va les explorer depuis sa thèse en 1953 jusqu'à son dernier texte en 1981. Ces relations intersubjectives, il va les nommer interactions et, en insistant sur leur caractère ordonné, ce sont des actions ordonnées, il veut mettre l'accent sur leur caractère social. Les interactions ne sont pas à la discrétion des individus, nous ne faisons pas ce que nous voulons, même si nous le pensons. Au contraire, les interactions répondent à un certain nombre de contraintes spécifiques qui sont collectivement partagées et qui vont peser sur leur déroulement. Et donc, si Goffman a étudié toute sa vie les interactions, il va déployer différents paradigmes pour les appréhender. Premier paradigme, le monde du théâtre, la métaphore théâtrale dans la présentation de soi. Dernier paradigme, la métaphore cinématographique dans les cadres de l'expérience en 1974. C'est dans un texte de 1967, un texte charnière qui se nomme « Les rites d'interaction », que Goffman va appréhender l'ordre de l'interaction comme un ordre rituel. Et donc le premier chapitre de ce livre de 67, « Les rites d'interaction », se nomme « Sur le face work », donc travail de figuration, analyse des éléments rituels inhérents aux interactions sociales. Donc cette notion de rite, il emprunte à deux traditions. D'un côté, l'éthologie animale, de l'autre, l'anthropologie religieuse, telle qu'elle est développée par Durkheim et Radcliffe Brown. Cette notion de rite joue un rôle absolument charnière, comme je vais essayer de montrer dans son œuvre, en lui permettant deux choses. Première chose, la perspective de l'éthologie. Qu'est-ce qu'un rite en éthologie? C'est un comportement régulier et conventionnel. Deuxième chose que la notion de rite lui permet de mettre en évidence, cette fois c'est l'héritage de la conception anthropologique, ça va lui permettre de dégager les raisons pour lesquelles nous nous sentons tenus de souscrire au caractère obligatoire de ces règles sociales. Et donc je dirais que cette imbrication de deux traditions s'avère décisive pour ne pas réduire l'analyse de Goffman à une simple sécularisation de la notion de rite. Il aurait un usage un peu flou et un peu mou de la notion de rite, or je ne pense pas du tout ce que je vais essayer de montrer. En effet, selon la définition même du rite que Goffman emprunte à Radcliffe Brown et qu'il rappelle, il existe une relation rituelle dès lors qu'une société impose à ses membres une certaine attitude envers un objet. Alors qu'est-ce que c'est que cette attitude imposée? C'est une attitude qui implique un certain degré de respect exprimé par un mode de comportement traditionnel référé à cet objet. Dès lors, les interactions, donc les relations de la vie intersubjective dans la vie quotidienne, ne vont pouvoir être appréhendées comme des rites qu'à la condition de viser un certain objet. Un objet qui a une valeur supérieure à celle de l'individu, qui implique de la part de l'individu considération et respect.
Autrement dit, un objet, nous dit Goffman, qui possède un caractère sacré, supérieur à la valeur de l'individu. Quel est cet objet? C'est ce que Goffman appelle la face. Or, comment définit-il la face? Il nous dit que c'est la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action que les autres supposent qu'elle a adoptée. Donc, une valeur sociale. Donc, je dirais que c'est dans la mesure où la face valorise les interactants comme objet sacré, c'est-à-dire comme personne, puisque Goffman établit une équivalence entre les deux, que les interactants se sentent tenus d'honorer cette face. Donc, c'est parce que la face contraint les individus qu'on se sent obligé de sauver la face, la sienne ou celle de l'autre. Et donc, je dirais que le caractère normé des interactions, nous suivons des règles interactionnelles, l'emprise du social sur l'individu ne peut se comprendre qu'en raison de ce processus d'oratisation de l'individu dans les relations intersubjectives. Et Goffman a des formules assez fortes pour dire la chose, pour exprimer ce point. Il nous dit « Ce monde profane n'est pas aussi irreligieux qu'il y paraît. Bien des dieux ont été mis au rancard ou au placard, selon la traduction, mais l'individu demeure obstinément déité en anglais, d'une importance considérable. » Or, de manière tout à fait remarquable, Goffman, lorsqu'il introduit ce terme de face dans son texte, se réfère à la conception chinoise de la face telle qu'elle est analysée dans différents travaux d'anthropologie des années 40 qu'il va citer. Je dirais donc que l'appréhension rituelle de l'ordre interactionnel demande à être éclairée par ce que Goffman entend par face. En quoi la face goffmanienne hérite-t-elle et renouvelle-t-elle, la conception chinoise? Et donc, une fois que cette mise au point aura été faite, il sera possible de comprendre la logique de régulation à l'œuvre dans le monde interactionnel. Et je vais essayer de montrer que cette logique de régulation, telle que nous la montre Goffman, est une perspective très originale dans le champ de la sociologie, puisqu'elle se tient éloignée à la fois de ce qu'on appelle le holisme sociologique, mais aussi de l'individualisme sociologique. Donc, premier temps de mon intervention, de la conception chinoise de la face à ce que Goffman va appeler le face work, le travail de figuration. En 1967, lorsque Goffman écrit les rites d'interaction, il se trouve fort de deux convictions. Première conviction, le fait que notre comportement doive répondre à des normes sociales qui sont partagées sous forme d'attentes collectives, on pourrait dire. Deuxième conviction qu'il a en 1967, le fait que ces attentes contraignantes ne sont pas qu'une croix que l'on devrait porter, mais qu'elles confèrent aussi à l'individu ce qu'il va appeler un self, un soi, qui est de nature sociale et individuelle, et non individuelle. Pardon. Donc d'un côté, le comportement normé, de l'autre, suivre les normes nous donne un soi. Mais l'articulation de ces deux thèses ne lui permet pas du tout de comprendre pourquoi on suit les règles, pourquoi on suit les normes, comment on peut comprendre l'emprise du social sur l'individu. Et donc, dans les rites d'interaction, il doit répondre à une question fondamentale. Quelle est la nature de ce self qui est conféré à l'individu lorsqu'il répond aux normes sociales pour qu'il se sente obligé de répondre à ces normes? C'est que ce self doit avoir une valeur particulièrement intéressante, particulièrement valorisante pour que l'on soit prêt à obéir à quelque chose de contraignant. Que possède le self de si enviable pour que l'on se sente prêt à obéir à ce qu'il le confère? Et donc, c'est dans les travaux des anthropologues sur la conception chinoise de la face que Goffman, donc et ces différents articles des années 40, 44, 45, et je m'intéresserai à un article en particulier. Donc, c'est dans ces travaux des anthropologues sur la conception chinoise de la face que Goffman va trouver des éléments de réponse. Tout individu qui répond aux attentes collectives sur le déroulement normal d'une situation se voit rétribué, en retour, par l'attribution d'une dimension qui excède son individualité. Il se voit sacralisé comme un acteur social compétent, ce qui lui confère une face. Et donc, Goffman va nous dire que c'est parce que cette face est de part en part sociale, irréductible et transcendante à l'individualité des agents, qu'elle est un bien infiniment précieux, bien aussi désirable que contraignant. Et donc là, il reprend les deux catégories durkheimiennes du sacré. Donc pourquoi la face est désirable? Elle est désirable parce qu'elle valorise. Pourquoi est-elle contraignante? Elle est contraignante dans la mesure où l'on ne peut pas l'obtenir sans répondre aux attentes des autres. Donc pour être valorisé, il faut répondre aux attentes. Mais si répondre aux attentes des autres signifie répondre à des attentes collectivement partagées, et donc signifie honorer des exigences sociales, il faut alors dire que la mise en œuvre du comportement normal attendu dans une situation
est une manière de respecter l'autre interactant pour autant qu'il est dépositaire d'une normativité sociale. Donc, en répondant aux attentes de l'autre, pour le dire vite, j'honore en réalité les règles sociales, j'honore la société. Ainsi, l'obéissance aux normes sociales se comprend-elle par le biais d'un intérêt fondamental qui lie les différentes faces des agents. On ne peut pas sauver sa face sans sauver celle de l'autre. Pour me construire comme acteur social compétent, je dois répondre aux attentes sociales que possède l'autre agent et donc le respecter lui-même comme agent social. Et donc, c'est cette réciprocité du travail de la face que Goffman va nommer « face work » ou « travail de figuration ». Donc la question qui se pose, c'est comment les analyses anthropologiques sur la conception chinoise de la face ont-elles pu nourrir ces développements goffmaniens? Le terme de face est attesté dans la langue chinoise dès la fin du 19e siècle. Le terme de face est attesté dans la langue anglaise, dès la fin du 19e siècle par l'entremise de la communauté anglophone vivant en Chine. Et donc, pour établir ce point, il se réfère à un article de Xinxin Hu, The Chinese Concept of Face. Et donc, Xinxin Hu est une anthropologue à Columbia. Et donc, elle se livre à une étude sémantique extrêmement précise, permettant de mieux mesurer la réélaboration à laquelle se livre Goffman et que ce qu'il traduit par face. Donc, elle va distinguer deux notions, qui sont traduites uniformément en anglais par face. Deux notions utilisées dans la langue chinoise, puisqu'elles désignent tous deux, au niveau physique, le visage. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux notions? C'est le mianzi et le lian. Le premier terme, le mianzi, d'origine plus ancienne, est attesté dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il désigne la réputation obtenue par la réussite sociale, se manifestant à travers différents signes extérieurs de richesse. Donc, c'est une valorisation liée à la place que l'on occupe dans la société, et à la manière dont le statut social se manifeste aux yeux des autres. Et donc, on peut dire que le mianzi est une notion relative. L'on peut avoir plus ou moins de mianzi selon la place que l'on occupe dans la société et selon, sa carrière dans la hiérarchie sociale. Le deuxième terme, le lian, dont l'origine plus récente remonterait selon le Kangxi Dictionary à la dynastie Yuan, désigne la confiance de la société dans l'intégrité du caractère moral de l'ego, dont la perte l'empêcherait d'agir correctement dans la communauté. C'est donc une sanction sociale extérieure qui est donnée lorsque l'on applique des normes morales. Et donc, en ce sens, le lian n'est pas un bien que l'on peut détenir à des degrés variables, contrairement au manzi. Soit on le possède, soit on le perd tout entier. Donc on peut dire qu'il est plus fondamental que le premier. Si l'on peut avoir du lian sans mianzi, l'inverse est tout simplement impossible. Donc la question, c'est que retient Goffman de cette analyse et quelle inflexion va-t-il lui apporter? Donc je dirais que son concept de face se révèle plus proche du lian que du mianzi, et ce pour au moins trois raisons. Donc première raison, c'est que Goffman nous présente la face comme une contrainte sociale fondamentale, indépendante des positions sociales. On doit toujours sauver la face, quelle que soit sa place dans la hiérarchie sociale. Donc la face, on peut dire que c'est une compétence sociale générale, principielle, celle de pouvoir se comporter normalement dans les différentes situations d'interaction. Deuxième raison, qui recoupe ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour Goffman, on n'a pas plus ou moins de face dans une interaction. Soit on sauve la face, soit on la perd, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de degré. Enfin, troisième point, la face me valorise non pas comme un individu occupant une place particulière dans la société, mais comme une personne, nous dit Goffman, dépositaire du mana collectif, c'est-à-dire donc de l'esprit social collectif. Cependant, malgré ce parallèle que l'on peut voir lorsque l'on lit l'article de l'anthropologue et l'analyse que fait Goffman, je dirais que sa notion de face n'est pas entièrement superposable à la notion de lian, et qu'il y a une réélaboration et donc une modalisation, de ce concept dans sa perspective, celle de l'étude de la société américaine. Donc pourquoi ce n'est pas entièrement superposable? Parce que d'une part, il démoralise très fortement la notion, et d'autre part, il contextualise la notion. En effet, si le lian se rapporte à un ordre social plus fondamental que celui des statuts sociaux, donc s'il est indépendant de la place dans la hiérarchie sociale, Xinxin Hu
va le comprendre avant tout comme un ordre moral que l'individu doit honorer en manifestant certaines qualités collectivement reconnues, honneur, décence, modestie, etc. Donc on peut dire que c'est une valorisation, certes sociale, mais d'un comportement moral. Au contraire, Goffman va analyser l'ordre interactionnel en dehors de toute référence à des vertus moralement consacrées. L'ordre interactionnel ne renvoie pas à un code moral, mais à un ensemble de normes principielles qui ordonnent les situations sociales. Ainsi, je dirais que la phase goffmanienne n'est pas une valorisation morale de l'individu qui serait sanctionné par l'approbation sociale, où le social viendrait renforcer le moral, mais la phase goffmanienne est une valorisation sociale, où la société se voit dotée d'une telle puissance que la simple reconnaissance comme agent socialement compétent est source de valorisation. Pas la peine de faire appel à des vertus morales extérieures. Et donc, bien sûr, pour cette raison, la phase goffmanienne est beaucoup plus contextuelle et également beaucoup plus volatile que le Lian. D'une part, la phase va varier suivant les situations et leurs normes spécifiques. On ne sauve pas la phase de la même manière dans telle ou telle situation. Si bien qu'un individu reçoit différentes phases en fonction des interactions qu'il va pouvoir nouer. D'autre part, cette face, on peut la perdre à tout instant, donc non pas parce qu'on se deviendrait immoral, mais on peut la perdre parce qu'on échoue momentanément à suivre les règles interactionnelles, puisque notre corps nous trahit, puisque l'on commet un impair, puisque l'on interprète mal la situation. Donc, deuxième temps de mon intervention, de la ritualisation des interactions à leur régulation, l'originalité de la sociologie goffmanienne. Donc j'aimerais montrer qu'en considérant le comportement individuel comme un rite envers sa propre face et la face de l'autre, Goffman en vient à dégager une forme de régulation extrêmement originale dans le champ de la sociologie. Je dirais que la cohérence du monde social goffmanien ne repose ni sur une contrainte extérieure aux individus, à laquelle ils obéiraient de manière automatique, sous peine de châtiment, mais elle n'obéit pas non plus, la cohérence du monde goffmanien, à un calcul rationnel, où le choix des normes serait un simple calcul stratégique. Donc je dirais que si la compréhension goffmanienne des normes sociales offre un certain nombre de points communs assumés avec les perspectives les plus représentatives du holisme méthodologique, à savoir Durkheim et Parsons, elle s'écarte cependant d'un holisme strict. En effet, la sociologie goffmanienne montre que les normes interactionnelles n'existent pas en dehors des attentes individuelles et que la face, donc la valorisation sociale de l'individu, existe à même la peau de l'individu. Elle ne vole pas dans un ciel surplombant, donc on ne saurait pas trop où il se situe. Donc je dirais que la mise en évidence de la dimension rituelle des interactions conduit Goffman à penser de manière à la fois fine et précise que la transcendance du social est certes de nature ontologique, donc la réalité du social dépasse celle de l'individu. La transcendance du social est également axiologique, la valeur du social excède celle de l'individu, mais le social n'a pas d'existence extérieure aux individus. Donc on peut dire que c'est une forme de transcendance immanente. L'existence du social est immanente à la manière dont les agents vont se rapporter à la situation en mobilisant un cadre de compréhension normatif et collectivement partagé. Elle est immanente à leur personnalité. Donc il n'y a pas une superposition de plusieurs strates. Mais je dirais que par là même, il est conduit à proposer une vision plus complexe de l'ordre social que celle de Parsons, auquel il emprunte pourtant cette expression d'ordre social. L'immanence du social dans les attentes individuelles, l'immanence du social dans le self des interactants, rend ce social extrêmement vulnérable. L'ordre de l'interaction, ordre des menus chauds sociales, ordre des miettes de la vie quotidienne, n'est pas celui d'une contrainte qui se déploierait de manière autoritaire, mécanique, mais est de l'ordre de normes multiples et complexes, qui font l'objet d'interprétations et de mises en œuvre toujours précaires, soit que l'acteur, comme je vous le disais tout à l'heure, se trompe sur la définition de la situation en ne mobilisant pas les bonnes attentes, on commet tous des bourdes, soit que son corps le trahisse en ne lui permettant pas de les satisfaire. Je dirais donc que la régulation à l'œuvre dans l'ordre interactionnel ne se présente nullement comme une obéissance automatique à une structure extérieure qui s'incarnerait dans des institutions surplombantes, telles le droit, la famille, l'école, etc. Mais elle relève d'une forme d'accommodement
de coopération entre les agents pour sauver réciproquement leur face, ce qui revient à sauver l'ordre social. Loin de s'imposer unilatéralement, l'ordre social demande un travail de coopération entre les agents pour se réaliser de manière symbolique dans ces cérémonies en miniature que sont les interactions. Et donc je dirais que Goffman dégage une régulation immanente à l'ordre de l'interaction à partir de la distinction entre les rites envers la face des autres et les rites envers ma propre face, pour montrer la solidarité des deux dans ce qu'il va appeler les rites d'interaction. Les rites envers la face des autres sont analysés comme une forme de déférence envers cet objet sacré. Les rites envers la face des autres se déclinent en rites d'évitement et en rites de respect du territoire du self d'un côté, et de l'autre en rites confirmatifs et en rites de présentation qui vont manifester de manière positive la reconnaissance accordée à la valeur de l'autre. Les rites envers sa propre face, donc on peut dire les rites envers la face des autres, c'est une forme de respect, hein, pour le dire de manière large. Les rites envers sa propre face, c'est ce que Goffman va analyser sous le terme de tenue, tout ce qui relève de la tenue, du maintien, de ce que l'on se doit à soi-même. Pour ne pas perdre la face, l'interactant doit honorer en toute occasion l'étincelle sacrée déposée en lui par la société qui assure sa personnalité, et il doit donc se comporter de manière socialement convenable. Mais donc de manière très intéressante, Goffman va montrer que les rites envers la face des autres, donc le respect dû à l'autre, et de l'autre les rites envers sa propre face, la tenue, s'articulent dans ce qu'il nomme les rites de réparation. Rites de réparation qu'il analyse dans le chapitre 4 des relations en public. Or, qu'est-ce qui se passe quand on commet une offense à l'égard de la face de l'autre ? Quand on commet une offense à l'égard de la face de l'autre, quand on n'a pas respecté ses attentes, le fautif voit le doute jeté sur ses propres compétences sociales. Il risque de perdre la face. Et donc, son activité va consister à montrer qu'il avait, sinon en réalité, du moins en intention, une juste relation aux règles. Et donc, s'il a commis un impair vis-à-vis de l'autre, il s'agit d'un regrettable malentendu ou d'une erreur déplorable. Et donc, dans cette perspective, il déploie un rite réparateur pour restaurer la face de l'autre et restaurer également sa propre face. Le rite réparateur a un spectre assez large qui court des justifications aux excuses. Il va permettre de raccommoder la relation intersubjective qui s'est rompue et donc introduire une forme de continuité dans l'ordre social. Si les rites de réparation sont initialement tournés vers la face de celui qui les déploie, si j'ai commis une bourde, ce n'est pas que je suis un acteur social incompétent, c'est simplement une erreur ponctuelle, les rites réparateurs possèdent également un effet cérémoniel sur la face de l'autre. Donc, en restaurant sa face, on restaure également la face de l'autre. Et donc, ce qui est très intéressant dans les rites de réparation, c'est qu'on voit que l'ordre interactionnel se rétablit en l'absence de l'imposition de toute punition, de toute sanction extérieure, dans la mesure où les offenses se corrigent par un amendement spontané du fautif. Une face ne pouvant se maintenir si l'autre s'effondre, la régulation sociale prend nécessairement la forme d'une collaboration entre les agents et non d'une obéissance mécanique ou de l'imposition d'une punition par une institution. Dernier point important, si l'on dit que la perspective goffmanienne s'écarte d'un holisme strict, il ne faut pas commettre l'erreur inverse de dire que puisqu'elle échappe à un holisme strict, ça relèverait d'une forme d'individualisme méthodologique. Donc je dirais que la compréhension des mécanismes de la stabilité de l'ordre interactionnel ne doit en aucune manière être identifiée à une forme de calcul rationnel. L'ordre interactionnel ne repose pas sur la recherche d'un gain individuel, mais sur la solidarité des faces. Puisque la face, loin d'être une propriété individuelle, apparaît comme une construction sociale ne pouvant se maintenir que dans l'échange et donc dans la circulation. Et donc je dirais que les agents ne se plient pas aux règles interactionnelles en vue de donner le change par intérêt égoïste, mais ils se plient aux règles interactionnelles dans la mesure où la dimension cérémonielle, consubstantielle à la régulation de l'ordre interactionnel, s'impose à eux en raison de la force de la valeur sacrée qui s'y déploie, qui est irréductible à toute valeur marchande. Elle transcende le calcul en convertissant les individus en personnes respectables. Donc en conclusion, en trois points.
Je dirais que l'importance accordée par Goffman à la notion de rite pour envisager les interactions de la vie quotidienne comme des cérémonies en miniature ne peut pas se comprendre sans le concept de face tel qu'il est élaboré à partir des travaux d'anthropologie sur le lian chinois. Si les relations intersubjectives manifestent une forme de respect envers soi-même et envers autrui, c'est dans la mesure où les individus qui suivent les normes sociales se voient sacralisés en raison de la nature transcendante de ces normes par l'octroi d'une face. Et donc le point vraiment important à comprendre, c'est que sans la mise en évidence de cette valorisation de l'individu, on ne peut pas comprendre pourquoi les interactions constituent un ordre auquel les agents se sentent tenus d'obéir. On peut comprendre qu'il y a de la régularité, mais pourquoi ces règles ont-elles cette valeur normative devient incompréhensible sans la mobilisation de cette notion de face. Deuxième point, je dirais que cet héritage permet à Goffman d'envisager un mécanisme de régulation sociale très original dans le champ de la sociologie, qui fait l'économie d'un côté de la notion de coercition extérieure, donc de punition institutionnalisée, je dirais, qui s'exercerait par le biais de châtiments, et qui fait également l'économie de la notion de calcul rationnel. Les interactions se déploient de manière réglée, dans la mesure où les faces des agents sont solidaires, donc dans la mesure où les cérémonies ne doivent pas être interrompues, sinon c'est la face du fautif qui se voit profanée. Troisième et dernier point, je dirais que Goffman déplace les accents de l'analyse de Xin Xin Hu sur la notion de lian. Il ne faut pas tant parler d'une socialisation de la morale, où la mise en œuvre de vertus morales traditionnelles serait socialement gratifiée, donc ce qui est la perspective de l'anthropologue. Il faut plutôt parler chez Goffman d'une moralisation du social, où le respect des normes sociales valorise l'individu comme personne respectable. Et donc, dans cette perspective, l'appréhension des interactions comme des rites ne relève nullement d'une sécularisation du religieux. C'est souvent la ligne d'interprétation, je dirais, dominante pour lire Goffman et qui me paraît infondée. Mais l'appréhension des interactions relève d'une véritable sacralisation des agents. Je vous remercie.